sur ces carreaux de mine qui extrayaient de la potasse, on a pu justement se rendre compte aussi de l'intérêt d'aller chercher au fond un caillou tel que celui-ci, avec dans la partie blanche ici le sel, chlorure de sodium, tel que le sel de table, enfin qui donnera par la suite le sel de table, ou la potasse ici, le chlorure de potassium, dans la partie orange, appelée aussi sylvinite. On a pu voir deux carreaux de mine différents, hein, qui expliquaient un petit peu la vie du mineur et aussi la manière dont ils extrayaient, et puis avec un des témoignages d'anciens mineurs. Et le deuxième carreau de mine, plus sur la partie technique, les machines, reconstituant justement un carreau de mine et le fond de la mine tel qu'il existait à l'époque avec les machines qu'ils ont remontées du fond. L'intérêt de cette formation, c'était justement de se rendre compte quelles étaient les difficultés techniques, chimiques et géologiques d'une telle extraction dans les mines de potasse.